Petit tirage express pour ce mois d'octobre 2022 pour vous, les Capricornes. Alors, l'énergie principale pour vous. Nous avons la carte de la sagesse qui est là. C'est-à-dire que pour moi, vous baignez dans une énergie ou peut-être que vous recherchez un peu ce côté, cette vérité spirituelle. En tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Alors, peu importe vos croyances, ça peut être par les anges, ça peut être simplement être accompagné. En tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, même si vous n'avez pas l'impression que vous ne le voyez pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté un peu qu'au-dessus, on est avec vous. Et que finalement, votre cadeau, c'est ça, c'est le fait que qu'on vous accompagne, qu'on vous guide, qu'on vous soutient. Donc là, il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir un petit peu à ça, de pouvoir faire des demandes si vous avez besoin. Parce que peut-être qu'il y a des situations qui ne sont pas évidentes, que vous avez besoin d'éclairer certaines choses. Et là, on voit que vous avez cette possibilité de faire des demandes parce que les anges ou autres sont là. Et finalement, je crois que vous êtes dans des énergies d'éveil et de nouvelles compréhensions, en fait. Donc, peut-être qu'il y aura plus de limpidité par rapport à une problématique. Donc, il y a peut-être des choses qui coincent. Mais en tous les cas, même s'il y a des choses qui coincent, on voit qu'il y a des compréhensions, en fait, qui arrivent pour vous. On vous amène, en tous les cas, des compréhensions et peut-être à essayer d'avoir un peu plus de légèreté. On va voir au niveau de votre état d'esprit. Oui, parce qu'on voit finalement que peut-être que vraiment vous posez beaucoup de questions. C'est vous avez peut-être le mental qui est là à vous tourmenter un peu. Et là, c'est pour ça qu'il y a des opportunités qui arrivent et que je vous disais, il faut vraiment vous ouvrir à ça parce que ça va vous permettre de dissiper vraiment ce petit nuage qui est là dans votre tête, ce petit brouillard qui finalement est là et vous empêche de voir tous les messages en fait qu'on vous envoie parce qu'on vous en envoie quoi. Et finalement, le fait de dissiper ce petit brouillard, ce petit ou gros brouillard, va vous permettre en fait d'éclairer certaines situations. Donc c'est vraiment entre deux parce qu'on voit que il y a vraiment ce côté l'univers est avec vous. Hein, je vous disais les anges, ça peut être l'univers. Donc on voit que l'univers est avec vous. Donc il y a une espèce de tranquillité d'esprit qui peut être là, mais on voit que c'est encore mitigé, qu'il y a encore des questionnements. Pourtant c'est là, hein, la tranquillité d'esprit elle est juste derrière. Donc il suffit, je pense vraiment de souffler bien fort pour que ce nuage s'en va et que c'est simplement quand vous êtes agité, le mental qui vient vous préoccuper parce que les réponses en fait vous les avez. Donc il faut vraiment dissiper ça. Donc c'est un, je pense qu'il y a vraiment ce côté où il y a une tranquillité d'esprit qui est là en train de revenir, mais je pense que pour revenir, ben, y a peut-être besoin de sortir certaines colères, certaines frustrations, un certain stress qui peut être là, il y a besoin de le faire sortir pour pouvoir vraiment aller atteindre beaucoup plus de légèreté. Vos besoins, j'en ai eu deux qui sont tombés, s'aimer et se calmer, donc c'est vraiment ça en fait, c'est, on voit que c'est un peu... il y a besoin de retrouver hein, cette douceur, de retrouver cet apaisement, de pouvoir tempérer les choses et peut-être de ralentir, tout simplement. Et de vraiment, vraiment vous occuper de vous, vous respecter, accepter là où vous en êtes, de pouvoir vraiment vous honorer. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Vous avez besoin de détente, vous avez besoin vraiment là pour ce mois d'octobre de, je vous disais, hein, vraiment de souffler sur ce petit nuage là pour qu'il puisse vraiment laisser place vraiment au soleil. Et pour ça, enfin voilà, vous avez vraiment besoin de vous détendre et d'aller chercher ben, justement les signes que l'on peut vous envoyer. Et ça, c'est ça passe par l'amour de vous, ça passe vraiment par ce côté on ralentit, on se fait du bien, on prend soin de soi. Et du coup, le conseil pour vous, c'est pareil, j'en ai eu deux. Voilà, on y revient encore, hein. L'intuition est se ressourcer, donc on y revient encore. Vous avez besoin vraiment d'aller puiser votre force, enfin d'aller, ouais, puiser votre force, peut-être
dans la nature, en tous les cas, c'est vraiment ce côté. Vous avez besoin de vous re-remplir et d'écouter surtout votre intuition. On y revient. Des signes vous sont envoyés, mais peut-être que vous êtes un peu trop perturbé au niveau mental pour voir tout ce qui est tout ce qui vient à vous. Il y a des moments hein, comme ça où on a des compréhensions nouvelles parce qu'on voit que vous êtes à un stade où il y a des compréhensions nouvelles qui sont là, mais peut-être que finalement il y a tellement de choses que d'un seul coup le mental revient vous dire par rapport aux compréhensions, il revient essayer de faire un petit tour et de reprendre possession des lieux pour pouvoir vous perturber parce que lui-même est perturbé. Et là, vous avez vraiment besoin, en fait, de vous écouter, vraiment, et d'être attentif aux signes. On y revient avec l'intuition, vraiment. Et ça passe vraiment par le côté ressourcez-vous, remplissez-vous, vous, vraiment, pour pouvoir repartir et libérer ce côté un petit peu trop... trop tendu, je dirais, parce que voilà, on voit qu'il y a vraiment ce besoin. On est hein, dans les mêmes mots, hein, dans toutes les cartes. Hein, se ressourcer, se calmer, s'aimer, être attentif aussi. On a vraiment deux cartes là-dessus. Donc c'est vraiment, hop là, il y a le mental qui est là. Il y a des émotions qui sont en train de ressortir et c'est toujours pareil quand quand on avance, quand on travaille sur certaines blessures, forcément ça fait remonter des choses, donc forcément on ressent certaines choses, et là vous êtes à ce stade-là. Donc il y a vraiment un éveil, il y a vraiment quelque chose qui monte chez vous, mais du coup c'est pas sans rien, puisque automatiquement ça vient ressortir certaines choses, et donc là vous ressentez des émotions, mais finalement c'est pas le truc, je pourrais pas vous dire vous allez être agité tout le mois d'octobre, parce qu'on voit que c'est vraiment pour aller libérer ce mental et pour aller retrouver cette tranquillité d'esprit. Voilà pour vous, amis Capricorne.